On a uniquement du coup les sujets décrits comme les exos qu'on a à peu près pour nous, mais on va pouvoir bien les faire. Et à part le début du premier exo que je vous propose, la partie A qui est vraiment d'une simplicité, enfin, je trouve qu'ils ont vraiment trop détaillé là. En ECS, ce serait beaucoup moins détaillé. Tout ce qui se passe à partir de la question 4A, 4B, etc. Là, il y a des choses bien bien mieux et bien plus poussées, typiquement ce que vous auriez en ECS. Donc des vrais exos qu'on peut travailler très bien. Et puis l'exo de proba aussi est écrit un tout petit peu bizarrement, mais il est assez dur. Donc on va essayer de faire tout ça, ce qui va nous permettre de revenir un petit peu des vacances et de se remettre un petit peu dans le bain. Donc, pour la dernière fois, est-ce que vous avez pu récupérer le fichier qui est accessible dans le chat plus haut, les PDF qui sont en lien? Je vous le dis tout de suite, avant que vous répondiez si c'est non. Ces fichiers sont sur le site, mais n'allez pas les récupérer maintenant sur le site, parce que si j'ai 40 connexions sur le site maintenant qui essayent de récupérer le même PDF, puisque le site est hébergé chez moi, vous ne m'entendrez plus parler pendant le cours. Donc essayez d'utiliser les liens qui sont là en haut du chat. Tout en haut du chat, il y a un truc qui s'appelle fichier TD et chapitre 13. Le chapitre 13, on l'attaquera dans la semaine, et le fichier de TD. Il y a les exercices que je vais vous proposer. Mais le premier que je vous donne, il est déjà mis dans le chat à 14h01 sous forme d'image aussi. Est-ce que vous avez pu le récupérer? Est-ce que c'est bon à ce niveau-là? Qui n'arrive pas? Enfin, ou plutôt, qui n'y arrive pas? Maxence, c'est bon? Bon, bah donc si. Donc ça a l'air d'aller, donc on va pouvoir attaquer les choses. Regardons cet exercice 1. Donc c'est donc tiré de l'écrit comme ECE de cette année. J'ai mis que les parties A et B de l'exercice 2, c'est un sujet en trois exercices. Il y avait une partie C qui sont des variables à densité. Donc en fait, c'est encore une fois, si on avait fait le cours de cette semaine, on pourra attaquer sans problème la troisième partie. Donc c'est vraiment des choses qui sont à voir avec notre programme. On nous donne trois suites d'intégrales. Les intégrales IN, JN et KN. Et on va essayer de prouver la convergence et des propriétés sur ces intégrales, notamment la limite de cette suite d'intégrales. Première chose, rien qu'à froid, quelque chose qui va être sûrement utile. Juste en lisant les trois intégrales, IN, JN et KN. Est-ce que quelqu'un est capable de me donner un lien entre ces trois intégrales? Alors, Alexis, tu dis JN plus KN égale IN. Oui, c'est ça. Donc, clairement, c'est normal, c'est parce qu'en fait, l'intégrale IN est une intégrale de 0 à plus l'infini. Puisqu'elle a une borne infinie, l'intégrale IN, en fait, on va plutôt parler de la fonction, justement, la fonction. En fait, les trois intégrales ont la même fonction sous l'intégrale. La fonction sous l'intégrale, c'est la fonction ln de t sur 1 plus t puissance n. On a la fonction ln de t, on le sait nous, qui est continue sur r plus étoile. On sait, donc je vais, enfin, sur 0 plus l'infini, écrit comme ça. On sait que la fonction 1 plus t puissance r, elle est continue sur r. On sait que 1 plus t puissance n, c'est supérieur ou égal à 1 sur 0 plus l'infini. Donc entre guillemets, ça s'annule pas. Par quotient, on va pouvoir dire sans trop de difficulté que la fonction t qui donne ln de t sur. Un ln sur 1 plus t puissance n, elle est continue sur 0 ouvert plus l'infini. Ce qui veut dire qu'au final, cette intégrale, elle est impropre. Si on veut faire une intégrale sur 0 à plus l'infini de cette fonction, elle est à la fois impropre en 0 et impropre en plus l'infini. D'où le fait que si on veut regarder l'intégrale à plus l'infini de ça, ce qu'ils ont appelé dans le sujet IN, ils vont découper en deux problèmes. Il y a JN qui va être le problème sur 0, 1. Et il va y avoir Kn qui va être le problème sur 1 plus l'infini. Donc déjà, ce principe-là de découpage d'une intégrale qui a deux problèmes en deux sous-problèmes, c'est classique. Ah, c'est pour vous aider qu'il y a les trois notations.
Et ensuite, on va toute la partie A va consister justement à faire ce que nous on ferait en une seule partie, qui va consister à étudier tout simplement la convergence de ces intégrales. Ah, donc pour ça, ils le font en plusieurs temps. C'est pas quelque chose de très compliqué. On va aller un peu vite sur cette partie A parce que c'est pas une partie très très intéressante. Elle est beaucoup trop détaillée pour moi à mon goût. Mais on va quand même essayer de voir ce qui se passe et de justifier la convergence et l'existence de cette intégrale, de ces intégrales. Donc, on veut étudier l'existence de In. Pour ça, on décompose en Jn et Kn, ce qu'on vient de voir. Étudions la convergence de ces intégrales. Ce qui va revenir à faire toute la partie A en version peut-être un peu moins technique, mais qui va bien marcher. Première chose, c'est on commence par poser Jn qui vaut l'intégrale de 0 à 1 de cette fameuse fonction ln de t sur 1 plus t carré, t puissance n, pardon, dt. On sait que cette intégrale, par l'étude qu'on a menée avant, elle est juste impropre en 0. Donc il faut voir ce qui se passe en 0. Avant de se comparer à une intégrale de Riemann, ce qu'il faut toujours faire, c'est penser à faire la limite de cette fonction en 0, juste pour essayer de voir si elle n'est pas prolongeable par continuité, et si on n'a pas juste une intégrale faussement impropre. Donc ça, quand t tend vers 0, bah ça va être de la forme, tout simplement, le numérateur c'est un ln, donc ça va vers moins l'infini. Le dénominateur, ça va me faire du 1 plus 0, tout simplement. Donc cette limite-là, c'est du moins l'infini. Donc clairement, cette fonction n'est pas prolongeable par continuité, c'est une vraie intégrale impropre. Donc il va falloir vraiment justifier de sa convergence. Alors pour justifier de sa convergence, le sujet nous fait commencer par trouver un équivalent en 0 de ça. Et ça, c'est pas très très compliqué. Ln de t sur 1 plus t puissance n, c'est équivalent à quoi quand t tend vers 0? La première question pour moi est même vraiment vraiment bête, hein. En gros, la seule question enfin la seule chose dans la première question de ce sujet, c'est est-ce que vous connaissez la définition d'un équivalent? Vu qu'en fait ils nous font dire que le numérateur, bah, on ne change pas, c'est ln de t, et le dénominateur, bah, on a un polynôme en 0, donc son équivalent c'est le terme de plus bas degré. Donc ici en fait c'est 1, donc cette quantité quand t tend vers 0, elle est équivalente à ln de t. Alors, ln de t, ce n'est pas une intégrale de Riemann de référence qu'on a dans le cours. Par contre, moi, je vous conseille de savoir justifier la convergence de cette intégrale de ln de t sur l'intervalle 0,1, notamment, vu qu'ici on est sur 0,1, parce que c'est un classique. Et notamment, la preuve, dans ce sujet, il faut le faire. Alors, il passe par un petit résultat intermédiaire qui est la question 1b. J'ai pas envie de vous faire lire la question 1b. Et j'ai envie de vous demander comment vous me justifiez que cette intégrale-ci converge. Parce que maintenant qu'on a un critère d'équivalence, en gros, cette intégrale-là sera de même nature que l'intégrale définie par cette fonction-là, par équivalence. Donc la question revient à déterminer la nature de cette intégrale-là. Comment vous faites pour me déterminer la nature de l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt? À quelqu'un du coup. Alors, mon dé est là. Hop. On va faire 14 en partant du début. Ça fait qui ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gaspard. J'avoue que j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée pour justifier de la convergence de cette intégrale? Bah, il faut d'abord déterminer si elle est continue, enfin si elle est, ouais, si continue sous les bornes. Alors, continue, il n'y aura pas de problème, c'est la fonction ln, c'est une fonction de référence, donc elle a un problème clairement en 0, cette intégrale-là, c'est toujours le même problème. Et puisque cette quantité-là tend vers moins l'infini, et que cette quantité-là est équivalente à ln, ln il tend vers moins l'infini en 0, donc c'est pas prolongeable par continuité. Bah, donc on peut comparer pas à une suite de Riemann. Alors on peut faire par Riemann, et ça marche très très bien, je vais en parler là à l'instant. Mais si vous devez être rapide et justifier de la convergence de ça, passer par Riemann n'est pas la meilleure idée. Et c'est d'ailleurs pour ça que le sujet vous envoie vers la question 1b. La question 1b, ils vous font calculer directement l'intégrale
de Y à 1. Moi, j'aurais pas mis de Y à 1, mais j'aurais mis de epsilon à 1. Et on fait tendre ensuite epsilon vers 0 pour justifier de la convergence. Donc ça, c'est la meilleure méthode. Si on pose l'intégrale de epsilon à 1 de ln de t dt, vous devez savoir primitiver ça. C'est soit une IPP en primitivant 1 et en dérivant le ln, soit c'est la primitive de référence qu'on peut connaître qui est t ln de t moins t. Je vous assure que dans les deux cas, ça revient à la même chose. Mais si vous savez ça devient du 1 ln de 1 moins 1 moins, je vais mettre le moins plutôt là et la parenthèse derrière, moins epsilon ln de epsilon moins epsilon, ce qui au final fait du moins 1, moins epsilon ln de epsilon plus epsilon. Et ça, on veut la limite quand epsilon tend vers 0. Et quand epsilon tend vers 0, ça tend vers moins, ça le moins 1 il bouge pas, ce terme-là, le terme en epsilon il tend clairement vers 0, et le terme en epsilon ln de epsilon il tend vers 0 par croissance comparée, l'epsilon l'emportant sur le ln. Donc au final cette intégrale elle tend vers moins 1 et elle est convergente. Et on peut dire que cette intégrale-là est convergente. Une fois maintenant que cette intégrale-là est convergente, par l'équivalent qu'ils nous font donner avant, on va pouvoir en déduire, attention, cette fonction-là, on n'a pas parlé de son signe, elle n'est absolument pas positive, cette fonction-là. Le dénominateur est positif, cette fonction-là, je suis en train de notre fonction de base. Le dénominateur est positif, par contre, le ln sur 0,1, lui, il est strictement négatif. Donc, alors, on peut parler de moins la fonction qui est positive, et donc par critère d'équivalence sur les fonctions positives, moins l'intégrale est convergente par critère d'équivalence, et donc l'intégrale JN est convergente, sans la moindre difficulté. Donc c'est ce qu'ils vous font faire avec les questions 1, A, B, C. J'ai pas tout écrit, je veux pas tout écrire, je vais quand même rédiger quand même un petit peu la fin que je viens de dire à l'oral. Mais voilà l'idée. Quelque chose d'assez simple, hein. Il faut absolument savoir faire ce genre de choses. Mais donc maintenant qu'on sait que ça converge, ce qu'on peut dire c'est que la fonction moins ln, je mets bien un moins, sur 1 plus t puissance n est positive, quel que soit t appartenant à 0,1. Donc par critère d'équivalence, sur les fonctions positives, sur les intégrales de fonctions positives, l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t dt 1 sur t puissance n dt converge, ce qui implique forcément que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t, qui est juste moins cette intégrale-là, converge. Ça, c'est JN. Est-ce que ça vous va pour ça? Alors, si on veut faire passer par Riemann, je vais aussi le refaire très très vite dans un coin, mais on peut aussi vouloir passer par Riemann pour justifier de la convergence de celle-ci. Si on passe par Riemann, on fait du ln de t divisé par 1 sur t puissance alpha. Ça fait du t puissance alpha ln de t. Et ça, cette limite-là, ça tend quand donc t tend vers 0, on n'a pas le choix, c'est le point où la fonction, enfin, où l'intégrale est impropre. Repasser par le moins, bah, vos formules de cours sont sur les intégrales de fonctions positives. Donc passer par le moins, pas forcément, mais au moins remarquer que la fonction est négative, et que donc si on met un moins quelque part, juste faire une phrase pour dire que si on met un moins, on applique bien le cours sur les fonctions qui sont positives. Il faut juste expliquer clairement que vous maîtrisez le signe de votre quantité et que ça ne pose pas de problème avec votre cours. Si vous n'en parlez pas, on va dire que vous omettez un point de cours et on va vous retirer des points sur la rédaction. Mais du moment que vous faites une remarque quelconque pour dire que vous avez vu que le signe de la fonction était négatif, donc ça ne pose pas de problème, on ne vous dira rien de plus. Max. Ça suffit largement juste de dire elle est négative, donc moins la fonction est positive et tout marche. Enfin, juste une phrase pour expliquer que vous avez vu le... Oui, mais moins 1 est une valeur finie.
Ah oui, parce qu'on était passé avec une intégrale. Oui, mais par contre, quand tu. Donc le fait que l'intégrale de 0 à 1 converge, c'est assuré par la limite. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Max. Mais on n'a pas le droit d'appliquer un critère d'équivalence sur une fonction qui changerait de signe. On devrait passer en valeur absolue pour pouvoir revenir à l'intégrale JM. Donc c'est pour le critère d'équivalence qu'il faut parler de fonction positive. C'est pas pour la convergence de l'intégrale en LM. C'est juste pour le critère d'équivalence derrière. Du coup, cette limite-là en t puissance alpha ln de t, elle peut avoir plusieurs limites, mais il y a un seul cas qui va m'intéresser, c'est que si je force alpha à être strictement positif ici, clairement, par croissance comparée, la limite va faire 0. Puisque la limite va faire 0, quand vous faites votre critère de comparaison à Riemann, ça veut dire que ln de t est un petit taux de 1 sur t puissance alpha quand t tend vers 0, dès que alpha est strictement plus grand que 0. Ce qui veut dire que donc avoir un petit taux en 1 sur t puissance alpha, c'est un résultat, ce genre de résultat permet de prouver de la convergence. Donc il faut utiliser un alpha pour lequel ça converge, c'est mes fameux graphes courts et exos. Mais en gros, là, on a un résultat qui permet de prouver la convergence dès que alpha est strictement positif. Donc si je fais ma barre, je n'ai pas regardé le reste des cas, mais en tout cas, ce que je viens de prouver, c'est que dans mon exo, si je mets ma limite à alpha égale 0, dans tous ces cas-là, je peux arriver à prouver de la convergence. Si je fais mon cours, et c'est là où il faut faire attention, on est avec t, on est en ce que j'appelle avec t qui tend vers 0, donc on est en temps fini. En temps fini, on sait que c'est si alpha est plus petit que 1 que ça converge. Donc c'est si on est là que ça converge. Donc globalement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut juste utiliser ce résultat-là avec un alpha entre 0 et 1. Pas mis une barre ici, mais elle serait ouverte aussi. Donc pour alpha entre 0 et 1, on a bien que on peut bien prouver que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt converge. Si vous n'arrivez pas à mener les calculs d'IPP qui vous demandent, à la limite, à la question B, en déduire la valeur de la convergence de l'intégrale aura quand même été utile, même enfin, en passant par Riemann. Mais ça montre bien que la méthode en primitivant, en essayant de trouver directement par le calcul l'intégrale, ça marche bien, notamment quand on a besoin de la valeur. Et on va voir que pour la suite, ça va être utile. Donc voilà pour JM. Ok. J'efface. Alors, une fois qu'on a prouvé la convergence de JN, il faut étudier la convergence de l'autre, qui est KN du coup. Hop, donc on pose Kn qui est l'autre intégrale, qui est, y a pas de moins, qui est L du coup l'intégrale de 1 plus l'infini de ln de t sur 1 plus t puissance n dt. On sait que cette intégrale, du coup, par l'étude qu'on avait menée au tout début, elle est impropre uniquement en plus l'infini. Et donc on veut essayer de contrôler si cette intégrale est convergente ou non. Alors, là, on lit un peu plus attentivement le sujet parce que là, à l'infini, on a plutôt des problèmes. Un peu plus, en tout cas. On vous précise bien dans le problème que n est supérieur ou égal à 2. Et si vous essayez de simplifier votre fonction, par exemple par équivalence, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que ln de t sur 1 plus t puissance n, c'est équivalent quand t tend vers plus l'infini. Ben, le numérateur, je ne peux rien faire de mieux. Le dénominateur, c'est un polynôme, donc je vais pouvoir dire équivalent à t puissance n. Mais si je fais ça, vous vous rendez compte du cas particulier, par exemple si n égale 2 maintenant, je me retrouve avec quelque chose qui est en ln de t sur t carré. Donc je me retrouve avec quelque chose qui est. Alors on va voir prouver la convergence hein, de cette intégrale. Mais si je me retrouve notamment dans le cas n égale 2, on est bien d'accord, je me retrouve avec quelque chose qui est plus grand que 1 sur t carré. Le ln allant vers l'infini, même lentement, cette chose-là, c'est plus grand que 1 sur t carré. Donc vouloir me comparer à 1 sur t carré ne suffira pas pour prouver la convergence. Alors on peut faire notre méthode classique et se comparer à une intégrale de Riemann quelconque avec un paramètre alpha. Et on va se rendre compte que dès qu'on prend alpha
Plus petit que 2, ça suffira largement pour justifier de la convergence, mais il faudra prendre un alpha strictement cultique 2. Mais dans le sujet, si vous lisez le sujet, de par la question 2A qu'ils vous posent, qu'est-ce qu'ils essayent de vous faire dire en fait? Est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer? Bah tiens, je vais poser encore une fois la question à quelqu'un. 3 en partant de la fin. Ça va m'amener à qui ça? Simon, qu'est-ce qu'il cherche à nous faire faire avec la question 2? C'est comme un exemple qu'on avait déjà vu avant les vacances, c'est compris entre. En fait, l'alpha il est compris entre le 1 et le 2. Oui, donc là ils ont pris quoi? Ils ont pris 3 demi, donc 1,5. Oui, voilà, c'est comme je viens de dire, on doit juste prendre. Donc encore une fois, ils l'ont fixé. C'est juste ça qu'ils ont fait. Donc en fait, on va juste prendre. On va juste se comparer à une intégrale de Riemann pour alpha égale 3, égale 3 demi. Donc 1,5. Et donc le calcul résumé qu'il vous demande en 2A, c'est bien notre calcul à nous, où on prend du ln de t sur 1 plus t puissance n. Ou à ça, maintenant, on le divise par du 1 sur t puissance 3 demi, ce qui va nous mener à du t puissance 3 demi ln de t sur 1 plus t puissance n, comme eux font, ce qui va nous donner au total du t puissance 3 demi. Je voulais pas mettre un égal ici, donc je vais effacer ce égal, je voulais faire un équivalent quand t tend vers plus l'infini. Le t puissance 3,5, je peux même y faire. Le ln de t reste pareil. Par contre, c'est le dénominateur que je peux simplifier un tout petit peu. Le 1, je peux l'oublier, vu que le terme dominant, c'est t puissance n. Ce qui, au final, ça me fait du t puissance 3,5 moins n ln de t. Il n'y a aucun paramètre ici. Enfin, si, il y a un paramètre n, mais on le connaît. Or, n, on sait qu'il est supérieur ou égal à 2, ce qui fait que moins n, il est plus petit que moins 2. Ce qui fait que 3 demi moins n, il est plus petit que moins 1 demi. 3 demi moins 2, pourquoi je dis moins 1 demi et j'écris moins 1 tiers, excusez-moi. C'est plus petit que, je vais l'écrire quand même comme ça, 3 demi moins 2. Et ça, 3 demi moins 2, ça fait moins 1 demi. Ce qui veut surtout dire que la puissance ici est négative. Comme la puissance ici est négative, ça multiplié par un ln quand t tend vers plus l'infini. On va pouvoir trouver la limite par croissance comparée. Ça fait du 0 fois l'infini. Mais l'infini, il est en ln. Le 0, il est en puissance. Donc c'est clairement la puissance qui l'emporte. La limite va faire 0 de ce truc-là. Donc comme la limite va faire 0, même si le sujet nous demande de trouver la limite de cette quantité-là, puisque nous, on est capable de comprendre que ce calcul vient de celui-là à la base, on peut en déduire que notre fonction est un petit o de 1 sur t puissance 3,5. C'est ça qu'on va en déduire pour la question 2b, entre guillemets. On a donc ln de t sur 1 plus t puissance n qui est un petit o de 1 sur t puissance 3 demi quand t tend vers plus l'infini. On va préciser tout de suite, c'est juste pour pas oublier que sur 1 plus l'infini, cette fonction est bien une fonction positive. Donc clairement, par critère de négligeabilité sur les fonctions positives, par critère de négligeabilité sur les intégrales de fonctions positives, alors j'ai oublié de le dire aussi, il faut aussi le dire quelque part, l'intégrale de Riemann étant convergente, l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t puissance 3,5 dt étant convergente, c'est Riemann. Kn converge. L'intégrale Kn converge. L'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t puissance n dt
ça vaut KN. Ben ça converge. Et donc on a établi la convergence de KN. C'est la question 2B. La question 2C, c'est tout simplement... voilà, la question 2C. La question 3, c'est quelle est la nature de l'intégrale définissant IN. C'est ce qu'avait dit tout à l'heure Alexis. IN, c'est JN plus KN. On vient de prouver en question 1 que ça, que JN converge. On vient de prouver en question 2 que KN converge. Donc pour la question 3, et c'est juste ça, IN converge, tout simplement. C'est châle, hein. C'est ni plus ni moins que ça. Donc voilà pour cette première partie que j'ai trouvé un peu trop gentille, même en ECE. Je pense que c'était fait justement pour tous ceux qui auraient eu du mal à reprendre après le confinement et pour être sûr de pouvoir donner des points à tout le monde. Parce qu'ensuite, ça devient un tout petit peu plus... Enfin, on tend vers de l'ECS après. C'est assez un peu plus technique sur des sujets assez simples, mais un peu technique quand même. Donc faisons la partie B qui est beaucoup plus intéressante. Donc ils veulent trouver maintenant la limite de la valeur de l'intégrale IN lorsque N tend vers plus l'infini. Alors pour ça, ils posent en première question une inégalité à essayer d'obtenir. Alors, 16 en partant du début. Hugo, est-ce que tu as une idée de comment tu ferais pour montrer cette inégalité qu'ils te mettent dans le sujet? Non, monsieur, j'ai pas d'idée. Alexis, t'as une idée? Faire le taf là-dessus. Alors, le taf est une idée qui marche ici. Mais il faut être clair. C'est pas l'idée pour moi la plus simple. C'est une très bonne idée qui va très bien marcher. Mais j'ai envie de dire, le taf a quelle fonction? Et c'est ça tout le principe. Si tu dois appliquer le taf, c'est à quelle fonction f de t? Alors je vais me mettre f. Oh non, f de t. Et pour quel point? Pour quel point a et b? C'est la donnée de tout qui fait que ça marche très très bien. Et c'est, par contre, ton idée, Alexis, du coup, c'est certainement la plus rapide. Est-ce que tu as une idée de ta fonction f et de tes points a et b? Indication, faut oublier le ln. Du coup, non, là, faudrait que je pose et que j'écrive. Ok, tu n'as pas de tête. Mohamed Amine, non. T'avais une idée? On monte terme à terme par une amorce, on montre que ça se fait à 0 et après que c'est inférieur à moins t puissance n à n t. Alors, l'amorce ici, avec le moins au milieu du terme, c'est-à-dire l'amorce avec le terme ou alors, faudrait écrire le terme. L'amorce. Tant qu'il y a une différence au milieu de l'amorce, là, tant qu'il y a ce moins qui traîne ici, l'amorce, elle me paraît pas terrible écrit comme ça. Alors on peut peut-être remettre au même dénominateur, simplifier le numérateur pour voir apparaître une amorce. Mais oui, alors une amorce en mettant tout au même dénominateur, exactement ce que tu dis Manel dans le chat, c'est peut-être envisageable. Je peux essayer de le faire après. Ça doit peut-être marcher, mais encore... oui, si on oublie le ln de t, si ça doit sûrement suffire et marcher. Non, je pense pas qu'on va s'en sortir avec une amorce. Alors, pourquoi une amorce marcherait pas? Quoique. Non, alors non, je vois pas. En fait, de quel. Alors, vous me parlez d'amorce, ok, mais dans ce cas, que ce soit Mohamed Amine ou Manel, de quelle première inégalité vous partez? En premier, j'ai montré que le ln de t, le ln de t sur 1 plus t puissance n moins n de t plus t puissance n, ln de t c'est inférieur à 0. Et j'ai factorisé par ln de t. Oui, ça c'est pas très très dur, ok, je suis d'accord. Le supérieur à 0, c'est le plus petit que moins t puissance n ln de t qui m'intéresse. Le quoi, le La deuxième inégalité, plus petit que moins t puissance n ln de t qui m'intéresse. Ah bah, je me dis que l'inégalité
samedi milieu, je mets le moins T puissance L, LN2T de l'autre côté. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Je vois comment tu fais, Mohamed Amine. Ça marche. Mais dans ce cas-là, c'est une autre idée que tu fais. C'est même pas une amorce. Enfin, si, c'est une amorce. C'est une étude de signe plus rapide. Mais pour moi, l'idée, dans ce cas-là, l'idée à avoir pour faire ça n'est même pas l'idée de l'amorce. C'est l'idée de l'étude de fonction. C'est-à-dire, c'est pour prouver une inégalité, on passe tout du même côté, on fait une étude de fonction pour essayer de trouver le signe de cette fonction. Sauf que là, il n'y a même pas besoin de dériver pour trouver le signe. On le trouve en mettant au même dénominateur. Je suis d'accord avec toi. Parce que je veux dire que le. On trouve que la LNDT était positive. Positive sur 0,1 LN2T. Ça a l'air mal barré. Non, c'est pas ça. C'est. Non, le moins T puissance. Le T de. Non. Le T puissance de Z. Oui. Qui était positif. Comme ça, on est sûr que. Que ça inférieur égal à 0, que le LNT est négatif. Donc on a fait que le T puissance de Z sur A puissance L est positif, donc c'est inférieur à 0. Oui, ça a marché. Enfin, de toute façon, du moment que vous avez les idées de mettre au même dénominateur et de tout passer du même côté, ça marche assez bien ici. Elle est pas super compliquée dès qu'on a ça en tête. Alors, faisons les différentes idées pour prouver ça. Première idée, donc, qui est l'idée, vous voyez ça encore comme une amorce, mais moi j'irai plus du côté étude de fonction. C'est passons tout du même côté, étudions le signe. Après, je parlerai du taf parce que je pense vraiment que le taf, l'idée d'Alexis, c'est la bonne idée pour aller vite. Mais il est technique à voir ce taf pour moi. Mais c'est la meilleure idée pour aller très très vite. Alors, l'idée de l'étude de fonction, la première, c'est qu'on vous demande le signe de. On veut prouver. Alors, 1, on veut montrer que ln de t sur 1 plus t puissance n moins ln de t, c'est dans ce sens-là, ça c'est positif. Alors, je l'écris bien. Oui, c'est bien ça. Moins ln de t est positif. Moi, on va partir de cette quantité-là et on va justement alors faire deux choses, mettre au même dénominateur et factoriser en fait. Enfin, ça revient un peu à la même chose. On va dire que ça, c'est du sur 1 plus t puissance n. Si je mets tout, ça me fait du ln de t moins 1 plus t puissance n ln de t. Si je développe le numérateur pour le simplifier, donc là, j'ai juste fait au même dénom. Si je développe et que je simplifie, ça va vous faire du moins t puissance n ln de t sur 1 plus t puissance n. Et maintenant, on peut juste faire un simple tableau de signes pour prouver le signe de cette quantité, vu que c'est un produit. Attention, ça ne marche que parce qu'on est sur un produit. Sur 0,1, t puissance, moins t puissance n, comme vous voulez, mais t puissance n sur 0,1, c'est positif. Donc, moins t puissance n, c'est négatif. Ln de t, c'est négatif. Bon, mon tableau, il va très très bas, je suis désolé, mais 1 plus t puissance n, clairement, c'est plus grand que 1. Donc, c'est positif. Par produit des trois termes, au final, on a bien que moins t ln de t sur 1 plus t puissance n, tout ça c'est positif ou nul, quel que soit t appartenant à 0,1. Ah, donc cette première inégalité n'est pas trop dure à avoir, et on peut faire à peu près de la même façon pour le deuxième. On prend yx au point ln de t et... y égale x au point ln de t et ln de t sur 1 plus t puissance n. Je le vois pas parce que si tu me fais ça, je vois pas comment ta dérivée elle va dépendre de n, ce qui va être très gênant, Alexis. Ta dérivée elle va dépendre de n, donc quand tu as du f' qui va arriver dans ton taf, tu vas voir qu'il y a un problème. Tu as un n qui va arriver en facteur, donc tu vas pas savoir te dépêtrer. Donc il faut que la fonction f que tu prennes ne dépende pas de n. C'est ça qui va être assez compliqué. Et c'est pour ça que je t'ai dit d'oublier le ln. Alors, donc ça c'était l'inégalité facile. Si je fais aussi l'inégalité maintenant difficile, la deuxième inégalité c'était montrer que cette quantité-là, ln de t sur 1 plus t puissance n moins ln de t, celle-là est plus petite que moins t puissance n ln de t. Donc l'idée pour moi ici, c'est de tout passer du même côté, c'est-à-dire c'est de montrer que cette quantité qui est ln de t sur 1 plus t puissance n moins ln de t
plus t'es puissance n ln de t est négative. Donc ça, encore une fois, étude de fonction entre guillemets, mais on peut commencer déjà par exemple par factoriser par ln de t. Ça, il me reste du 1 sur 1 plus t puissance n moins 1 plus t puissance n. Alors, on veut savoir quand est-ce que c'est négatif ou nul. Et maintenant, on peut toujours faire comme je viens de faire juste au-dessus, mettre au même dénominateur tout ce qui est dans le crochet pour essayer de voir ce que ça donne. Donc ça, c'est équivalent à trouver le signe de cette quantité-là. Ln de t, et là, je vais tout mettre au même dénominateur, donc tout sur 1 plus t puissance n au-dessus, alors du 1 moins 1 plus t puissance n plus t puissance n facteur de 1 plus t puissance n. Je vais savoir quand est-ce que c'est négatif ou nul. Alors, il faut développer, regrouper comme tout à l'heure. Donc ça revient à dire que ln de t, alors je vais mettre le 1 plus t puissance n devant vu qu'il ne va pas me gêner, il me restera que ma parenthèse. J'ai du 1 moins 1 moins t puissance n plus t puissance n plus t puissance 2n, pareil que sur les puissances. Ah bah il y a beaucoup de choses qui se simplifient vu que j'ai un 1 moins 1, j'ai un moins t puissance n plus t puissance n. En fait il ne reste plus que... au final, il me reste que du t puissance 2n ln de t sur 1 plus t puissance n. Et comme tout à l'heure, sans problème par étude de signe, ceci c'est positif. Ceci c'est un carré, c'est positif. Et il reste que le ln qui sur 0,1 est négatif. Donc globalement, cette quantité est bien négative. Il n'y a aucun problème par étude de fonction, et même sans dérivée, pour arriver à trouver le signe de ces fonctions. Donc ça marche très 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 bien. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur le taf à faire pour le faire autrement et le faire par le taf? Ça marche très très bien, c'est juste qu'il y a deux calculs, deux mises au même dénominateur. Il faut séparer l'inégalité en deux, il n'y a pas trop trop le choix, on ne pourra pas faire mieux ici. Alors que par le taf, on va pouvoir tout faire d'un seul coup. Est-ce que quelqu'un a vu quelle fonction on pourrait faire pour essayer de s'en sortir? Alors... moi, je vais reprendre l'inégalité qu'ils veulent vous faire prouver et je vais faire quelque chose dessus. Ils voulaient vous faire prouver ceci et je vais factoriser ici par ln de t pour vous en rendre compte. C'était du 1 sur 1 plus t puissance n moins 1. Et là, il y avait du ln de t facteur de moins t puissance n. Ah, moralement. Donc ça, je vais le diviser des deux côtés, ou je vais multiplier des deux côtés comme vous voulez par 1 sur ln de t. Attention, je rappelle que 1 sur ln de t est négatif. Donc ça, ça revient à dire qu'il faut prouver que 0, 1 sur 1 plus t puissance n moins 1, est plus grand que moins t puissance n. Et là, moi, je vois un théorème. Maintenant que j'ai enlevé le ln entre guillemets de cette inégalité, je vois le théorème des accroissements finis apparaître. Et je vois le théorème des accroissements finis apparaître pour quelle fonction? Et c'est ce qui est un tout petit peu compliqué et c'est ce qu'il faut essayer de voir. C'est que ce moins 1 qui est là, je peux vous le réécrire comme moins 1 sur 1 plus 0. Et si je le vois comme ça, moi, ce que j'appelle la fonction f de t, en fait, ce serait juste la fonction 1 sur 1 plus t, pas plus compliqué que cette fonction-là, à prendre entre le point A qui serait le point 0 et le point B qui serait le point t puissance n. Ce qui fait que normalement j'ai des choses qui vont apparaître à ce niveau-là au niveau des calculs. Est-ce que vous le voyez maintenant que je l'ai écrit? Alors, pas le trouver vous-même, ce changement de fonction, mais maintenant que je vous l'explique, est-ce que vous êtes d'accord que ça revient à faire un théorème des accroissements finis? Enfin, on va trouver l'inégalité, mais pour la fonction fixe 1 sur 1 plus t, et en fait, le t puissance n, comme il n'y a pas de n justement qui arrive en facteur nulle part ou quoi que ce soit, on va vraiment le laisser comme un point fixe qu'on ne va pas modifier. Et donc si je fais ça, si je veux appliquer mon théorème des accroissements finis, première chose, clairement, cette fonction, elle est déjà de classe C1 sur 0,1 sans la moindre difficulté, donc j'ai le droit d'appliquer mon théorème des accroissements finis.
Ensuite, il faut que je la dérive, cette fonction. F' de t, la dérivée de 1 sur 1 plus t carré, c'est du moins 1 sur 1 plus t, le tout au carré. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur cette dérivée? Et qu'est-ce que je peux dire sur le théorème des accroissements finis? Ce que me dit le théorème des accroissements finis, c'est que f de b moins f de a, ça fait du f' de c fois b moins a. Donc, vu ce que je veux faire, je suis en train de dire que 1 sur 1 plus t puissance n moins 1, c'est exactement égal à du moins 1 sur 1 plus t, 1 plus c, pardon. Le tout au carré facteur de t puissance n, vu que b moins a, ça fait t puissance n. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à contrôler mon terme en C ici. Et je rappelle que c'est le terme des accroissements finis, dit il existe un point C qui appartient à AB. Donc notamment C, il appartient dans notre cas à 0 t puissance n ouvert. Donc on a une amorce qui compare entre 0 et t puissance n. Alors sauf en fait, j'ai pas envie que ce terme-là, il dépende de t, j'en ai pas besoin. Donc savoir, encore une fois, si vous êtes capable de voir ce théorème des accroissements finis, vous devez être capable de le voir. T, il est compris entre 0 et 1, donc je peux me simplifier un tout petit peu la vie en disant que le C, au lieu de le comprendre entre 0 et t puissance n, je peux me simplifier un tout petit peu la vie en le faisant comprendre entre 0 et 1. Si je fais ça, ce que je peux dire, c'est que C carré, c'est toujours compris entre 0 et 1. C'est pas C carré, pardon. Je fais d'abord que je fasse le 1 plus, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Si j'essaye de dézoomer sur cette quantité, là, j'ai d'abord le 1 plus c avant de passer au carré. Donc je viens de faire n'importe quoi à l'instant. C'est du 1 plus c qui est compris entre 1 et 2. Je vais continuer ici à côté en sens arrière, mais c'est pas gênant. Maintenant je passe au carré, ça me donne que 1 plus c carré c'est compris entre 1 et 4. Ce qui me donne derrière encore, si je continue, je vais effacer là-haut plutôt pour continuer, parce que sinon on va... Enfin, ça ne me sert plus à rien. Pas quoi que ce qui est en bas non plus. Donc si maintenant je passe à l'inverse... Donc je reviens à mon équivalent que j'ai mis là, je le barre, je le mets là-haut, mais c'est la suite pour vous. Je compose par x donne 1 sur x qui est strictement décroissant. Donc ça va me donner que 1 sur 1 plus c au carré, c'est strictement plus grand que 1 quart et strictement plus petit que 1. Et ça va me donner, quand je vais le multiplier par moins 1, fois moins 1, ça va me donner un moins 1 plus grand que moins 1 quart. Voilà. Et donc ça va me permettre d'écrire. Maintenant, si je multiplie tout par t puissance n, qui est strictement positif, ça me donne moins t puissance n, qui est compris entre mon moins 1 sur 1 plus c carré t puissance n, est compris entre moins un quart de t puissance n. Ce qui est équivalent, vu que c'était le but de ce théorème, ça je peux le réécrire 1 plus t puissance n moins 1, par théorème des accroissements finis, qui est compris entre ceci et ceci. Et si maintenant je remultiplie des deux côtés par ln, qui est strictement négatif, encore une fois, attention, strictement négatif, on retombe bien sur moins t puissance n ln de t, plus grand que ln de t fois ce qu'on voulait, 1 sur 1 plus t puissance n moins 1, est plus grand. Alors là, on a du moins 1 quart de t puissance n ln de t, mais ça, c'est encore un nombre positif. Donc en fait, comme d'habitude, le théorème des accroissements finis nous donne strictement mieux, vu que ça, c'est bien un nombre positif. Donc on a bien prouvé strictement mieux en appliquant le théorème des accroissements finis qu'en faisant nos inégalités de d'habitude. Méthode très haut niveau, les accroissements finis là-dessus. Dur à voir pour quelle fonction l'appliquer. Une fois que vous l'avez vu, ça va très vite à écrire et à faire, du moment que vous êtes capable de voir la bonne fonction. Mohamed Amine, oui. Je crois que vous avez écrit que A est égal à 1 et B moins t puissance n.
B, j'ai pas dit que c'était moins t puissance n, j'ai dit que c'était t puissance n. Maintenant, pourquoi vous avez Alors. pu trouver que B et A, c'est bien ça? Alors non, ouais. C'est dû à plein de choses. Alors, j'y vais, je réexplique. Est-ce que tu es d'accord qu'une fois que je pouvais enlever le ln, donc mon inégalité sur laquelle je voulais essayer de voir un accroissement, c'était ça. Pourquoi je pense à un accroissement? À cause du moins entre les deux termes. Donc faut que je vois ça comme du f de b moins f de a pour la même fonction. Alors, il y avait plusieurs choix. Par exemple, typiquement, et c'est ça qui a été mon choix, et c'est ce que j'avais dit à l'oral à Alexis, c'est que un choix qui aurait été potentiel, c'était de poser non pas f de t mais fn de t, j'aurais pu prendre directement la fonction 1 plus t puissance n. Et dans ce cas-là, j'aurais encore fait un accroissement entre le point t et le point 0. Quel est le problème à faire ça? Et pourquoi je ne l'ai pas fait vis-à-vis de ça? Justement, parce que si je fais dépendre ma fonction de n ici, alors je peux l'écrire, mais quand je vais calculer la dérivée de cette chose-là, il y a clairement du t puissance n qui va arriver. Donc en fait, il y a du n t puissance n moins 1 qui arrive ici. Ici, il y a du 1 plus t puissance n au carré. V moins, et il y a un moins. Voilà pour la dérivée. Dans ma dérivée, donc, dès que je vais mettre du t puissance n dans la dérivée, dès que je vais vouloir non pas utiliser la variable t puissance n, mais la variable t, il y a un n, nécessairement, quel que soit l'endroit, à cause de la formule de la dérivée de la composée, il y a forcément un n qui va arriver en facteur dans ma dérivée. Ce qui veut dire que dans mon accroissement ici, quand je vais vouloir contrôler mon accroissement, dans mes inégalités, je vais avoir un n en facteur. Or, dans le sujet, je n'ai pas de n en facteur dans mes inégalités. Donc, si vous êtes en train de penser à un théorème des accroissements finis, mais que vous voulez voir un truc de la variable t et passer à la puissance n derrière, ça ne marchera jamais. Parce que vous allez faire sortir un facteur n dans la dérivée. Donc, c'est ça qui m'a fait dire que prendre une fonction pour la variable t, mais en t puissance n, ça ne marcherait pas. Donc plutôt que de faire ce choix-là, de dire je prends fn de t, c'est ça, ben, j'ai préféré prendre f de t puissance n comme ça, pour que justement, hop, f de t puissance n écrit comme ça, c'est la même fonction, mais sauf que l'écrit fn de t, je l'écris f de t puissance n, comme ça ma fonction f de x, elle est plus simple et elle ne dépend pas de n. Et dès que j'ai fait ce choix-là, tout marche bien. Est-ce que tu vois pourquoi maintenant je l'ai fait, moi, mes amis? C'est pour pas faire apparaître ce n dans la Oui. dérivée. Et pourquoi vous avez enlevé le ln de deux fois? J'ai pas compris pourquoi, Alors, dans quel but là. si je t'écris ceci, si j'ai mis un n ici en bas, c'est parce que. Oula. Si j'ai mis un n ici en bas, c'est parce que cette fonction-là. Si je te change n, la fonction change, c'est-à-dire f2 de t, c'est 1 sur 1 plus t carré, f3 de t, c'est 1 sur 1 plus t cube, etc. Le n, si je change n, je change la fonction. En écrivant ça comme ça, et comme ce que j'ai mis en dessous, c'est pas la fonction que je change. Je garde la même fonction fixe f de x, mais je la calcule maintenant en t carré. Et ça devient du 1 sur 1 plus t carré. Et la même fonction fixe f, je la calcule en t cube. Et ça devient du 1 sur 1 plus t cube. Donc ce n'est plus la fonction qui change, c'est l'antécédent. D'accord. C'est un choix pour me simplifier les calculs. Non, enfin, j'ai compris cette partie, mais celle que j'ai pas compris, c'est on avait factorisé par ln de t, mais pourquoi on l'enlève d'un coup pour faire le taf? Parce que l'accroissement, clairement, vu que j'ai un ln de t ici et un ln de t ici, dans l'inégalité initiale, ce ln de t, il est gênant. J'ai du t des deux côtés. Donc je vais clairement pas pouvoir poser une variable comme j'ai voulu le faire là, t puissance n, et l'autre mettre 0. J'ai encore du t. Donc ce ln de t, en fait, il est en facteur de tout. C'est pas sur lui qu'a lieu l'accroissement. Je ne Ah, comprends pas la ligne où on a du C et après on n'en a plus. ok.
Ah. Merci. Ok, mais c'est juste pour ça, c'est parce que si on peut pas faire un accroissement, s'il y a la même variable des deux côtés, alors qu'on veut séparer les variables en deux dans un accroissement fini avec une lettre A et une lettre B. Baptiste, tu comprends pas la ligne? Bah, c'est justement. Alors, je l'ai plus écrit vu que j'ai dû effacer un million de trucs pour expliquer un tas d'autres trucs, mais le théorème des accroissements finis, Baptiste, il dit ça. Appliqué à ma situation, le théorème des accroissements finis, il dit tout simplement que 1 sur 1 plus t puissance n moins 1, ça, c'est égal à moins 1 sur 1 plus c le tout au carré fois t puissance n. Donc dès que dans ma série d'inégalités, ce que je fais juste ici, dès que j'ai fait apparaître ce nombre-là, en fait ce nombre-là, c'est exactement le membre de droite ici. Bah donc le membre de droite ici, c'est le membre de gauche. En reprenant n'importe quelle question de cours sur les accroissements finis, c'est toujours la même chose. En fait, on utilise les accroissements finis pour ne plus avoir de différence, pour avoir des produits. On fait l'amorce sur les produits. Et une fois qu'on a fini l'amorce sur les produits, on réécrit que le produit qu'on a écrit, c'était la différence des deux termes. Ça, là vraiment, c'est classique sur la méthode des accroissements finis. Est-ce que ça vous va, ça? Ce truc-là des accroissements finis ou juste obtenir les inégalités. Alors. Moi, je comprends pas pourquoi on met au carré le 1 plus c. C'est une dérivée de fonction, Hugo. C'est vraiment la rentrée des vacances, vous êtes rouillés. Si f de x c'est la fonction 1 plus 1 sur 1 plus x, il faut que tu me dérives ça. Donc ça c'est la fonction 1 plus x puissance moins 1. La dérivée de 1 plus x puissance moins 1, ça va être du 1 plus x puissance moins 2. Donc ça fait du 1 sur 1 plus x au carré. Et dans le théorème des accroissements finis, f de b moins f de a, ça fait du f' de c. Donc il faut du f' de c. Donc il faut la dérivée. Oui, là je pense que ça s'appelle de la rouille. Mais bon, tant mieux, hein. Je préfère 100 fois que vous me dites que vous êtes rouillé et que vous avez besoin d'explications que vous dites oui, laissons passer. La preuve, juste là, soyons clairs aussi là-dessus, hein. Le théorème des accroissements finis, vous ne le reverrez plus. Enfin, il n'y a plus de nouveauté à faire sur le théorème des accroissements finis, vous savez déjà tout faire. Si vous voulez vous en servir le jour du concours, oui, ça va vous paraître loin. Donc revoir régulièrement à travers des petits exemples comme ça, c'est pas bête et c'est pour ça que je préfère perdre du temps sur cette question. Mais pour qu'on l'ait fait et que vous sachiez la faire correctement. Ensuite, on passe à 4B. 4B, c'était une question de cours, je pense, de mémoire qu'on avait au moment où on a fait les intégrales faussement impropres. C'est à l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 0 à 1 de moins t puissance n ln de t converge et vaut 1 sur 1 sur n plus 1 au carré. Je pense que de mémoire, ceci était une question de cours sur les intégrales faussement impropres. Je n'ai pas été vérifié, mais je pense que c'en est une. Donc allons-y. Donc encore une fois, un classique à savoir-faire. En une seule question, je trouve ça bien. C'est le bon niveau de difficulté pour moi. La question est fermée. Si vous n'arrivez pas à la faire, vous avez quand même la réponse pour la suite. Mais ce n'est pas une question d'une difficulté infaisable. Donc on veut montrer que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n ln de t, avec un moins, sinon c'est pas des positifs, ça fait du 1 sur n plus 1 au carré. Et pour ça, ils vous disent par une intégration par partie. Quoi qu'il arrive, vous n'avez aucune formule d'intégration par partie sur une intégrale impropre. Donc il faut remarquer que cette fonction-là, elle n'est que continue que sur 0, 1, encore une fois, ouvert en 0. Donc cette intégrale, en fait, elle est impropre en 0. Donc on va commencer par calculer plutôt l'intégrale de epsilon à 1 de moins t puissance n ln de t dt.
Et on va faire une IPP là-dessus. Qui va me faire cette magnifique IPP. Ça tombe, c'est marrant, le dé il est pipé encore une fois. Deux en partant de la fin, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Thibaut! Comment on fait cette idée? Bah ça a disparu. Oula. C'est bon, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qu'on primitive, qu'est-ce qu'on dérive, Thibaut? Alors, tu veux dériver le moins t de puissance n dans ce cas-là? Oui, moins t de puissance n. On dérive moins t de puissance n, ça me va, et on primitive. Attends, on dérive. Et dessus, tu primitives le ln? Ah, je veux 1, c'est l'inverse. Ah, ok. Donc, toujours réfléchir plutôt à ce qu'on, à ce qu'on veut dériver. Enfin, ce qu'on ne peut pas primitiver en fait. Oui, non, non. Donc, on va poser v de t, c'est ln de t, ce qui va nous donner du v prime qui vaut. 1 sur t. Parfait. Et on va primitiver t puissance n. Vous pouvez dire moins t puissance n. Oui, moins t puissance n, pardon. Et ça va me faire du moins. Moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Et regarde la deuxième idée, c'est qu'on veut prouver que c'est lié ces choses-là à des choses en 1 sur n plus 1 au carré. Enfin, il y a des n plus 1 en tout cas, même si on n'a pas encore le carré. Donc le fait d'augmenter la puissance pour faire apparaître du n plus 1, ça paraît logique aussi pour les calculs. Donc on pose ceci. Alors j'ai écrit là je me retrouve coincé ici. Bah allons-y, si je fais ça, bah, je vais repartir là-haut pour mes calculs. Maintenant que j'ai choisi comment j'allais faire mon IPP, toutes mes fonctions étant bien sûr continues sans problème sur l'intervalle epsilon 1. Le crochet, ça va être les deux fonctions. Donc moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 à prendre et multiplié par un ln à prendre entre 1 et epsilon. Moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai cherchées, donc de epsilon à 1. D'un côté, j'ai un moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Et de l'autre, j'ai du 1 sur t que j'ai cherché comme calcul. Donc ceci, ça va me donner en 1, ça va faire 0, il va me rester du moins epsilon puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de epsilon. J'ai un moins moins qui va me faire un plus. J'ai un 1 sur n plus 1 qui ne dépend pas de t, donc je peux le sortir de l'intégrale. Donc il me reste t puissance n plus 1 sur t, je vais un tout petit peu lentement. T puissance n plus 1 sur t, c'est du t puissance n plus 1 sur t puissance 1. Donc on peut regrouper les puissances entre elles et ça, ça va donner juste après du moins epsilon puissance n plus 1 ln de epsilon sur n plus 1 plus 1 sur n plus 1 et on va se retrouver avec l'intégrale de 1 à epsilon de t puissance n dt qui est une intégrale qu'on sait calculer. Je vais le faire, c'est pas très très compliqué. C'est l'intégrale d'un polynôme, c'est exactement ce qu'on vient de primitiver avec Thibaut à l'instant. C'est que ceci, ça va se primitiver en t puissance n plus 1 sur n plus 1 à prendre entre 1 et epsilon. Donc j'efface mes petits calculs intermédiaires que j'avais mis ici et on va pouvoir finir. Si je finis mon calcul, il me reste toujours du epsilon puissance n plus 1 ln de epsilon sur n plus 1. Et maintenant, une fois que j'ai fait mon calcul, je vais obtenir du 1 sur n plus 1 au carré à cause du n plus 1 qui est en facteur devant. Et je vais me retrouver avec du moins epsilon puissance n plus 1 sur n plus 1 au carré. Et donc il me reste plus qu'à faire la limite de ça quand epsilon tend vers 0. Le premier morceau, c'était pas epsilon puissance n plus 1. Le premier morceau, c'était pas plus.
Ah si, avec le moins par moins, excusez-moi, ici oui j'ai raté un moins, bien vu Alexis. Ici c'est pas un moins vu que j'avais déjà un moins pour le 1. Donc ici, je le corrige en vert, ici c'est un plus. Donc ici c'est un plus. J'ai oublié, ici c'était un plus. Et ici c'est un plus. Merci beaucoup Alexis, j'avais pas fait gaffe. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on obtient. Reste plus qu'à prendre la limite quand epsilon tend vers 0. 5 en partant du début. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Arthur, qu'est-ce que tu peux me dire sur la limite de ces différents termes quand epsilon tend vers 0? Ok. Le terme du milieu, c'est pas très très compliqué, il dépend pas de epsilon, donc ce terme-là, il tend quand epsilon tend vers 0, vers 1 sur n plus 1 au carré, donc celui-là, il va nous poser aucun problème. C'est n qui est fixe et epsilon qui tend vers 0. Pourquoi le premier? C'est le premier le plus compliqué, entre guillemets. Donc pourquoi le premier tend vers 0? Il me faut un argument pour le premier. Le troisième, il est évident, mais le premier terme, il me faut un argument. Mais je suis d'accord avec ta limite, hein, ça va être 0. Mais pourquoi? Exactement, Erwan. C'est de la croissance comparée l'argument qui fait que la limite c'est 0 ici. Et l'autre limite, le troisième terme juste en epsilon, Arthur? Oui, 0 aussi, et celui-là, aucun problème, c'est juste un polynôme. Quand epsilon tend vers 0, on injecte brutalement 0 et ça fera 0. Donc au final, on a bien que cette intégrale-là, elle tend quand epsilon tend vers 0. Vers l'intégrale de 0 à 1 de moins t puissance n ln de t dt, et ceci, ça fait du 1 sur n plus 1 au carré. Un classique. Ce calcul-là, pas très très dur, mais classique. Il faut savoir le mener. J'espère que ça va à peu près, parce que c'est pas trop trop dur. Alors, voilà la première question que j'aime beaucoup, qui est là par contre d'un niveau un peu plus grand, parce qu'il faut mêler ce qu'on vient de faire aux autres questions, déduire des questions précédentes que la limite quand n tend vers plus l'infini de jn vaut moins 1. Donc on en est à 4c, c'est la première question intelligente, enfin intelligente, qui demande pour moi, ou enfin c'est pas fermé, et c'est pas des questions sur lesquelles vous avez la réponse qui est écrite noir sur blanc, il faut vraiment faire un lien intelligent avec ce qui a été fait avant dans le sujet. Est-ce que quelqu'un a une idée? Là, je la laisse ouverte, la question, parce que là, il faut vraiment avoir une idée pour moi sur comment on pourrait montrer que la limite quand n tend à plus l'infini de jn, ça fait moins 1. Quelle idée technique? On avait calculé jn au début. Non, on avait dit que jn était convergente en calculant l'intégrale de ln. On avait calculé l'intégrale de ln au début. On avait juste dit qu'elle était convergente. On n'a jamais calculé la valeur de jn. Ou alors si, on a calculé la valeur de jn quand n vaut 0. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de t puissance n au dénominateur. Mohamed Amine, t'as une idée? Ou c'est que t'avais pas enlevé la main? Oui, t'as une idée? Si on intègre le ln de t sur 1 plus t puissance n moins ln de t, et aussi le moins t puissance n ln de t, qu'on avait trouvé avant, que ça tendait vers... quand epsilon tend vers 0, ça tend vers 1 sur n plus 1 au carré. Et l'intégrale de epsilon à 1 de n de t sur 1 plus epsilon n de n. Ouais, d'accord. Alors c'est la bonne idée. Tu l'as un peu mal dit vu que tu m'as parlé de quand on fait tendre vers 0. Mais c'est pas quand on fait tendre vers 0, c'est on va en fait on repart. Alors,
La vraie idée, c'est ce que tu m'expliques avec l'inégalité, hein. L'idée, c'est on repart de 4A. En 4A, on sait que quel que soit T appartenant à 0,1, on a que 0 est compris entre eux. C'était ln de T sur 1 plus T puissance n moins ln de T, et que ça, c'est plus petit que moins T puissance n ln de T. Ceci, pour faire des maths correctes, et tu l'as très bien fait et très bien dit, Mohamed Amine, on intègre ça de epsilon jusqu'à 1, pour pas parler d'intégrale impropre, mais d'intégrale définie. Ça implique qu'on intègre sur l'intervalle epsilon 1, avec epsilon strictement plus petit que 1 pour dire que les bornes sont dans le bon sens. Ça fait l'intégrale de epsilon à 1 de 0 dt, qui est plus petit que l'intégrale de epsilon à 1 de ln de t sur 1 plus t puissance n. Alors je vais me séparer cette intégrale là en deux, on va voir pourquoi juste après. Moins ln de t entre epsilon et 1 dt. Et ça, c'est plus petit que l'intégrale de epsilon à 1 de moins t puissance n ln de t dt. Je vais décrire le dt au-dessus, je suis désolé. J'efface le reste. C'est l'idée, hein. L'idée, c'est vraiment, on repart de 4a et on intègre sur l'intervalle. Sur l'intervalle epsilon 1. Maintenant qu'on a fait ça, on fait tendre epsilon vers 0. Si on fait tendre epsilon vers 0 là-dedans, on a le droit dans une inégalité. Ça fait 0 plus petit que l'intégrale qui est là, ça fait jn. Moins, on a déjà montré qu'elle est convergente, donc il n'y a aucun problème. Ça fait moins l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt. Et plus petit que, quand on fait tendre epsilon vers 0, ça tend vers ce qu'on vient de calculer à l'instant. Ça fait 1 sur n carré par 4b. Donc en fait, ce qu'on peut prouver maintenant par théorème des gendarmes, maintenant qu'on a fait tendre epsilon vers 0, on va faire tendre n vers plus l'infini. On a forcément 1 sur n plus 1 au carré, 1 sur n plus 1 au carré qui tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. Donc par théorème des gendarmes, on va avoir que jn moins l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt, qui tend quand n tend vers plus l'infini vers 0. Je rappelle que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt ne dépend pas de n. Donc écrire ce résultat-là, c'est équivalent à dire que jn tend quand n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt. Et ça maintenant, réponse finale, on avait montré en Q1B, on en parlait tout à l'heure, j'ai refait l'UPP vite fait, ou la primitive, pour vous montrer quelle était la limite, mais ça vaut exactement moins 1. Donc en fait, la limite en moins 1, elle vient pas si naturellement que ça du tout, c'est on repart de 4A, on primitive, on fait tendre epsilon vers 0, une fois qu'on a fait tendre epsilon vers 0, on fait tendre n vers plus l'infini. Et puisqu'en 1b, on avait calculé l'intégrale de ln, alors on a le résultat. Donc là, on a un premier résultat fin et qui demande du travail pour être obtenu. Est-ce que ça va pour ça? Alors justement, il faut que ça aille pour ça, parce qu'en fait, justement, l'étape d'après, c'est la même idée poussée encore une fois un tout petit peu plus loin, et ce qui va rendre les choses un tout petit peu plus dures. Parce que l'étape d'après, tout simplement, comment dire ça, on va se retrouver avec la question 5A, 5B, 5C, qui reviennent à peu près à la même idée que ce qu'on a fait en 4A, 4B, 4C. Mais avec c'est les mêmes techniques. Si vous avez maîtrisé les techniques que vous avez faites, ça va très bien se passer. Mais il va falloir savoir écrire les choses proprement. Et ça va être un tout petit peu plus technique si on monte encore un tout petit peu en gamme de technicité. Typiquement, les idées de tout à l'heure, il va falloir les pousser un tout petit peu plus loin. Ou les questions vont être un petit peu ouvertes, il va falloir savoir les faire un peu mieux.
Allons-y. On aura le temps de faire qu'un seul exo. On n'aura pas eu le temps de regarder le deuxième exo de proba. Alors, je vais essayer de faire vite cette question pour que je puisse au moins vous débriefer sur l'exo de proba et que vous puissiez le faire par vous-même. Alors, on commence par sac 1, c'est montré que pour tout x, là maintenant on est bien sur 1 plus l'infini, hein, c'est bien ça. Ouais, pour tout x, bon, ils mettent directement supérieur ou égal à 1, 0, ln x, petit que x. Alors, et nous allons demander, alors, comme j'ai perdu le fil, est-ce que je suis au début ou à la fin, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mohamed Amine, tu participes déjà beaucoup, bah en plus tu te fais agresser par le système. Comment je prouve ça? Que ln de x est supérieur à 0. Ouais, ça c'est évident. Le ln de x supérieur à 0, ça on va à peine en parler. Ça, c'est, on peut même dire que c'est du cours. C'est comment tu fais pour le ln de x plus petit que x? Je pensais je fais une étude de fonction en mettant le ln de x moins x, montrer que c'est inférieur ou égal à 0. Oui, voilà. Donc c'est, mais là, en fait, voilà, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que une simple factorisation suffit. Et comme tu l'as très bien dit, là, c'est une étude de fonction. Là, il faudra dériver. Donc c'est ça la grosse différence et ce qui rend les choses un peu plus techniques. Oui. Alors pour répondre à Max, est-ce qu'on peut faire un théorème des accroissements finis? Oui, mais où vois-tu ton accroissement fini? C'est une autre technique d'accroissement fini qu'on a déjà vu, Max. Donc est-ce que tu as une idée de à quelle fonction tu voudrais faire un accroissement fini, entre quel point et quel point? Mais oui, on peut. Alors le problème, c'est que tout à l'heure, on avait ceci qui faisait penser à un accroissement au milieu. Là, au milieu, j'ai pas d'accroissement. Donc comment on peut voir un accroissement apparaître? Oui, c'est exactement ça, Max. C'est exactement ça. Donc c'est un théorème des accroissements finis sur la fonction ln entre 1 et x. Et ça marche très très bien. Et on aura même mieux que ce qu'on demande. Encore une fois. Je le fais juste après, du coup. Mais l'idée de base pour l'autre inégalité, c'est on passe tout du même côté. Donc par exemple, on pose f de x qui est x moins ln x. Donc comme j'ai tout passé de ce côté-là, entre guillemets, je dois essayer de montrer que cette fonction f est positive. Donc il faut que je la dérive. F' de x, ça fait du 1 moins 1 sur x, qui fait tout simplement du x moins 1 sur x. Puisqu'on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, on étudie ça sur 1 plus l'infini, on a clairement x moins 1 qui est positif. On a x qui est positif, du coup on a forcément f' de x qui est positif. Et du coup je peux finir mon tableau de variation, même si j'ai plus de place ici. Mon tableau de variation, c'est une fonction qui est croissante, cette fonction, et qui en 1, bah, elle fait déjà 1, en fait. Donc cette fonction, elle est croissante, et au minimum elle vaut 1. Donc pour tout x supérieur ou égal à 1, on sait que x moins ln x est supérieur ou égal à 1, qui est lui-même supérieur ou égal à 0, ce qui implique bien que ln x est plus petit que x. Et on a bien prouvé le résultat par étude de fonction. Ah, donc l'étude de fonction marche très bien, mais là, il n'y a pas le choix, il faut dériver. Le théorème des accroissements finis marche aussi très très bien ici, comme le dit Max. Je vais le refaire. Comment on fait? Ben, on voit que, on va dire que ln x, c'est ln de x moins ln de 1. Donc on voit que c'est un théorème des accroissements finis pour la fonction f de x et la fonction ln x à prendre entre les points a qui vaut 1 et b qui vaut x. Si on fait ça, on sait que maintenant cet accroissement devient égal à f' de c fois b moins a, ce qui pour nous devient du 1 sur c fois x moins 1. C, on sait qu'il appartient à l'intervalle 1x ouvert. Donc encore une fois, j'ai envie de me dédouaner du x, vu que j'ai pas envie d'avoir du x dans l'inégalité qui est là. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pardon. Oui, c, il est compris entre 1 et x. Je veux contrôler 1 sur c. Donc 1 sur c, il est quand même compris entre 1 sur x et 1. Maintenant, j'ai pas envie de garder le x ici.
parce que cette inégalité-là, j'ai pas d'autre x qui m'intéresse dans mon sujet. Par contre, ce que je peux dire, c'est que comme x est positif, 1 sur x est un nombre strictement positif. Et comme c'est strictement positif, si je finis là-haut, hop, bah, je peux juste me résumer à ceci. Maintenant, je fais apparaître, je multiplie par x moins 1 qui est positif, ça me fait x moins 1 sur c qui est compris entre x moins 1 et 0. Si je fais fois x moins 1 qui est strictement, qui est positif ou nul, tout simplement. Et maintenant, cette quantité-là, comme tout à l'heure quand tu m'as dit Baptiste, je vois pas comment on a fait disparaître le c, cette quantité-là est égale à ln x en fait. Donc ça vient de prouver à l'instant que ln x est plus grand que 0 et plus petit que x moins 1. Et c'est pour ça qu'on a strictement mieux que ce qu'on voulait, vu qu'on a du x moins 1 ici. Et nous, ce qu'on voulait, c'était du x. Donc on a juste qu'à dire que x moins 1, c'est plus petit que x. Donc encore une fois, avec le théorème des accroissements finis, on fait strictement mieux qu'avec l'étude de fonction. Mais encore une fois, il faut voir la bonne fonction entre les bons points. Ici, c'est un tout petit peu plus simple que tout à l'heure, mais il faut le voir quand même. Donc très très bien, Max, pour l'avoir vu. Et si tu l'as, vu, ça va très très vite à écrire. Donc voilà, ils vous font prouver ça et en déduire que pour tout x supérieur ou égal à 1, on a une inégalité qui est donnée derrière. Alors donc de ça, il faut en déduire une inégalité. Cet en déduire-là, je l'aime pas parce que justement, d'un point de vue technique, vous pouvez certainement le faire sans en déduire. Donc le fait qu'on vous dise en déduire, ça me paraît pas si évident que ça ici. Enfin, il y a une étape intermédiaire où en déduire. On vous dit donc que ln x est plus petit que x et plus grand que 0. Et on veut déduire quelque chose sur la fonction qui est sous l'intégrale. Donc on va passer sur ln x 1 plus x puissance n, qui est plus petit que x sur 1 plus x puissance n et 0. Ça pose aucun problème. Il suffit de multiplier des deux côtés. C'est une multiplication par 1 sur x sur 1 plus x puissance n qui est un nombre strictement positif. Le problème vient de l'étape d'après. Ce qu'ils veulent vous demander, c'est pas ça. Ce qui remplace la borne qui est là quand on fait en déduire de notre inégalité de base, ça, ils vous l'ont remplacé dans la réponse par du 1 sur x puissance n moins 1. Question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ça? Que quelqu'un a une idée comment je remplace ce x sur 1 plus x puissance n par du 1 sur x puissance n moins 1. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut écrire pour obtenir ça? En général, c'est un truc que vous aimez pas trop, mais il faut y penser. Inès, vas-y. Je suis pas sûr, mais pour le x, pour le faire passer au dénominateur, on peut pas le mettre en puissance négative et ensuite faire. Alors la puissance négative qui va au dénominateur, c'est exactement ça. Mais pourquoi il n'y a plus le 1 plus en bas? C'est cette étape-là que vous avez du mal et que vous aimez pas en fait. Typiquement, je me rappelle avoir perturbé Hugo juste avant les vacances avec ça. Mais c'est exactement la même idée. Tu vois pas Inès? Non, je vois pas. Alors, l'idée, c'est bien de passer le x en bas. Ça va bien se passer. C'est pas. Donc, on peut réécrire maintenant que ce x sur 1 plus x puissance n, c'est du 1 sur x puissance moins 1, 1 plus x puissance n, ce qui va nous faire exactement du 1 sur x puissance moins 1 plus notre x puissance n moins 1. Et maintenant, ça revient à faire une amorce. Quand je vous parle d'amorce, ça va bien, mais le vrai argument pour avoir ce que je veux, c'est pas vraiment une amorce, c'est plutôt dire que pour majorer une quantité, pour majorer une fraction, on minore le dénominateur.
ce qui revient à faire une amorce très très bête. X moins 1 est un nombre strictement positif. Donc x moins 1 plus x puissance n moins 1, c'est plus grand que x puissance n moins 1. Quand je passe, c'est mal passé, j'ai eu un bug ici, donc je vais le réeffacer pour le réécrire proprement. Quand je passe à l'inverse, ça me donne que 1 sur x puissance n moins 1 a plus x puissance n moins 1, c'est plus petit que 1 sur x puissance n moins 1. Donc c'est bien l'idée qui est là. Pour majorer cette quantité, je minore son dénominateur. Son dénominateur, il est plus grand que 1 sur x puissance n moins 1. Donc, j'ai le droit d'écrire cette inégalité-là. Si vous voulez, vous avez le droit de l'écrire directement avec cet argument-là de texte, on ne vous dira rien. Si vous voulez refaire une amorce, l'amorce, elle est là. Il faut juste penser à dire que ce terme est positif. Donc, il apporte quelque chose au dénominateur, entre guillemets, ce qui vous permet de majorer comme il faut. Donc, voilà pour l'inégalité technique. On vous demande. Il nous reste que 4 minutes, donc je vais pas passer un temps fou sur les deux dernières questions. L'idée de la question 5B, c'est maintenant qu'on a l'inégalité technique de 5A, on va vouloir intégrer ça de 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, comme on n'a pas le droit d'intégrer ça proprement de 1 à plus l'infini, je vais juste le faire de 1 à A très très vite. Si on a l'inégalité qui est là, et c'est juste ça qui marche, hein. Si on a l'inégalité qui est ici, si on a ln de x sur 1 plus x puissance n plus petit que 1 sur x puissance n moins 1, si on intègre de 1 à a, ça permet de dire que l'intégrale a de ceci, dx, c'est plus petit que l'intégrale de 1 à a de ceci. Et là, dernière question que je pose, après on va juste conclure proprement. 2 tout en haut, qu'est-ce qui est là? Alexis, qui n'a pas encore assez participé apparemment. Comment je primitive ça? Comment je calcule cette intégrale? Celle de droite. Attendez juste 30 secondes que je vois, parce que le tableau bug et j'ai du mal à voir où est-ce que vous avez écrit. C'est ce terme-là en fait. Je vais intégrer l'intégrale qui est là. Il y a toujours une idée qu'il faut avoir en tête pour intégrer ce genre de choses. Encore un truc sur lequel vous avez trop de mal. Allô? Oui. Alors, c'est l'intégrale en haut à gauche? C'est celle-là, ouais. Celle que je vais encadrer en rouge. Bah, je sais pas. Il faut que ce soit un truc classique et qu'il faut que vous ayez l'idée. Les autres? Ah. Oui, ça va être ça, Arthur. C'est exactement cette idée-là. Ça, c'est la même chose que du x puissance moins n moins 1. Et donc ça, on le primitive juste en x puissance moins n moins 1 plus 1 sur moins n moins 1 plus 1. Et je vous assure que si après vous prenez la limite quand a tend vers plus l'infini, vous allez obtenir le fameux 1 sur n moins 2 qu'ils obtiennent eux dans leur calcul en fait. Ça vient de là, le 1 sur n moins 2. La question C, revenant à la même chose que la 4C, vu que tout simplement si maintenant vous faites tendre n vers plus l'infini, en gros kn tend vers 0. On a déjà prouvé en 4C que jn tendait vers moins 1, donc in tend vers moins 1. C'est comme ça qu'on finit cet exercice-là. Juste deux mots et j'arrêterai derrière ça. On n'a pas eu le temps de faire l'exercice 3, qui est un exo de proba discrète. C'est un exo de proba discrète que je trouve dur. Ils ont choisi un exo assez dur où on cherche à trouver une variable aléatoire qui compte quand on fait des lancers de pile ou face, quand est-ce qu'on a pour la première fois deux piles d'affilée. Et en fait, c'est un événement assez compliqué à écrire, ce deux piles d'affilée. Donc c'est ce qu'ils font dans la partie B, qui est assez dure d'un point de vue technique, d'un point de vue proba. Par contre, elle donne lieu en 4C à obtenir une relation de récurrence sur une suite.
Ce qui fait que la partie C devient des calculs sur des suites et des relations sur des suites. C'est du calcul technique avec assez peu de cours en fait. C'est du calcul technique sur des symboles, sur faire des sommes télescopiques, etc., etc. Donc cette partie C, la partie B est très dure probabiliste, de façon probabiliste. Je vous la conseille pas trop. Par contre, la partie C à partir de la relation de récurrence de 4C, elle est vraiment très très bien. C'est juste des liens de notation et on peut faire des très très bonnes choses avec. C'est plus un exo technique sur les sommes.